Oui, bonjour. Je cherche au carrefour étoile. J'ai comme l'impression que nous ne sommes pas au même endroit. Mais les étoiles sont au ciel, non? Oui, mais on m'a dit que c'est un carrefour qu'on appelle carrefour étoile. Donc vous vous baladez comme ça sans savoir où vous allez? J'ai la direction, sauf que je suis nouveau. Ça se voit. C'est juste là-haut. Ah, ok, merci. S'il te plaît, je suis pas un agent de renseignement, hein. Il n'y a pas de problème. Jeune homme, encore toi? Mais, il y a quoi? J'ai comme l'impression qu'après ton histoire d'étoile là, c'est la lune maintenant. Hein? Je viens chez mon oncle. Et on t'a dit que c'est une église ici où on entre comme on veut? Hé, hey, mais attention, attends, toi-même qui me parles là, tu es qui? Subitement, ton ton a changé. Mais je ne change pas le ton, je viens pas chez mon oncle. Ici, je suis le chef terre, donc le chef de poste. Chef de poste, chef de poste mon oeil. Et c'est ça ton poste ici là, hein? Tu vois mal ou quoi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la laide fille avec qui on était au village là-bas. Mais tu parles de quoi? La fille qui descend de la moto là. Madame Gassa? Jésus-moi dit, c'est Gassa. Oh oh! Mon frère, la fille que tu vois là. Quand on était encore au collège au CPPN Andoungé, la fille là, on te l'a donnée même à 25, tu n'achetais pas. Aujourd'hui, ses pieds entrent même déjà dans la chaussure. Hé, hey, Ngassa! Ah. Oh! Oh, Ngassa! On se connaît. Hé, hey, Ngassa ne me remarque plus. Ngassa, tu fais comme si tu ne me remarques pas. Hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Mon frère, Ngassa, ce n'est pas toi la laide fille avec laquelle nous avons fait le CPEPN de Ndungé. Tu parles de quoi là? Tu es sûr que ça va? Je ne suis pas sûr si ça va. C'est chez toi que ça va. Ngassa, hé hé hé, tu as même déjà le gros français. Tu es sûr que ça va? Mon frère, ne fais jamais confiance à un pauvre, hein? Parce que c'est quand il devient riche que tu vois son vrai visage. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hé, hey, tonton! Mais tonton, tu es frais, mignon! Mais Ndiasso, qu'est-ce que tu fais ici? Hé, hey, tonton, tu me poses la question? Je te cherche. Mais chercher comment? Ah, tonton, comment tu te cherches comment? Moi, j'étais même là-bas chez ta femme. Elle m'a dit que tu as fui la maison, tu as abandonné la maison, abandonné même les enfants. Tu es en train de vivre chez une femme. Elle ne sait même pas comment ça se passe. C'est même elle qui m'a indiqué l'endroit-ci. Oh, madame, je n'ai pas fini avec toi. Hein? Vous vous connaissez? Ok. Ngassa. Mais c'est la laide fille avec laquelle on était au village. J'ai dit que tonton, la fille, on te l'a donnée même à 5 francs, tu n'achetais pas. Je me demande même, mais tonton, les hommes ont le cœur. Quel est même l'homme qui a eu le courage de prendre la fille sur le jas qu'on la voyait là, jusqu'à ranger, elle est devenue propre comme ça. Ha! Mon frère, tu as raison, hein? L'amour est vraiment aveugle. En tout cas, ne me mêlez pas dans vos histoires. Ce n'est pas bien ce que toi-même tu fais, hein? Comment tu peux abandonner ta femme? Tu abandonnes les enfants? Tu viens habiter où c'est avec une femme? Mais Ndiasso, qui t'a raconté de telles bêtises? C'est elle-même qui m'a raconté. C'est même elle qui m'a dit que c'est ici que tu es. Mais tonton, tiens-toi tranquille. Moi aussi, je ne lui ai pas donné le lait.
Je l'ai insulté copieusement. Hein? Mais Ndiasso, tu as osé insulter ma femme? Je voulais te venger, tonton. Moi, je voulais te venger. Tu es mon oncle. Me venger? Tu voulais me venger? Oui, tonton, mais elle t'insultait. Elle dit que tu es bordel, tu es ceci, tout ça. Je vois que tu es vraiment malade. Ça m'a fait mal, tonton. Non, Ndiasso. Moi, je vois que tu es malade. Tu as encore fait quoi?